En direction de la Côte d'Ivoire, affrontement en bateau, Guillaume Soro fait un tweet et attise la colère du peuple ivoirien. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela vous permettra de ne pas manquer nos prochaines réalisations. Alors si vous êtes prêts, on commence. La situation politique ivoirienne s'accentue au quotidien. Alors que le président de la République Alassane Ouattara appelle au dialogue avec l'opposition sur le terrain, les violences se poursuivent. C'est le cas de la localité de Mbato dans le Morono, où hier un affrontement intercommunautaire a fait plusieurs victimes, dont des vidéos à couper le souffle ont fait le tour de la toile. Alors que plusieurs personnes pleurent ces images atroces, ils ont été surpris de voir Soro Guillaume, ex-président de l'Assemblée nationale, de publier ces images à en croire leurs différents commentaires. Le président de GPS, outre la publication de cette image atroce, l'a procédé d'un commentaire dont voici « La soif du pouvoir ne peut justifier cette barbarie. La communauté internationale ne peut dire qu'elle ignore ces images. Pas Madame Michelle Bachelet, pas Jean-Yves Le Drian, tout homme devrait être ému, ne détournez pas les yeux. » A-t-il clamé. Ainsi, les internautes pour recadrer l'ex-président de l'Assemblée nationale l'ont fait sa langue de bois. Un autre dépassé par cette vidéo a clashé le député de Ferke. Attise la haine pour ensuite partager les images pour salir l'image de la Côte d'Ivoire. Franchement, qu'est-ce que vous recherchez au juste? Depuis le début de la crise, vous n'avez jamais tweeté pour appeler à l'apaisement. Quelle irresponsabilité de la part de l'ex-premier ministre et chef de parlement voulant diriger les Ivoiriens, a-t-il fustigé. D'autres par contre souhaitent le voir lancer un appel à l'apaisement que de publier ces vidéos de ce type. Le 5 septembre, vous félicitez M. Laurent Gbagbo pour son sens élevé de l'intérêt national et son amour pour la patrie alors qu'il appelle au dialogue. Montrez-nous le vôtre avec des paroles d'apaisement. Montrez-nous que vous êtes le trempe de cet homme que vous félicitez, lui suggère cet internaute. Dans cette vidéo diffusée, dans une authentification complète sur le lieu réel, sur la véracité des faits, la soif du pouvoir est plutôt du côté de Guillaume Soro. Nous devons taire nos rancœurs et mettre au devant la Côte d'Ivoire. Renchéri, un autre qui apparemment montre son courroux contre cette sortie du patron des GPS.